Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo spéciale, une vidéo d'actualité pour une fois sur l'île de la Réunion. Enfin, je ne suis pas sur l'île de la Réunion, je suis en métropole. Mais bon, pour vous parler de l'île de la Réunion, dont on ne parle pas assez souvent. Pourquoi ? Parce que depuis quelques temps, il y a des rumeurs qui circulent suite à plusieurs disparitions inquiétantes. On entend parler de possible trafic d'organes sur l'île de la Réunion. Donc moi, j'ai décidé de me pencher sur le sujet et de vous donner mon humble avis. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter les faits. Il y aura ensuite une partie commentaire et analyse. Mais d'abord, les faits. J'ai listé un certain nombre de disparitions inquiétantes survenues sur l'île de la Réunion depuis janvier 2020. Il y en a eu avant, mais bon, il a fallu que je choisisse une date de départ. Je tiens donc à m'excuser à l'avance auprès des familles et des proches des personnes disparues avant janvier 2020, dont je ne vais pas parler par manque de temps. Comment est-ce que j'ai procédé? Eh bien, moi, j'ai sélectionné des affaires non élucidées à l'heure actuelle en me basant sur les informations parues dans la presse. Il y a eu d'autres disparitions inquiétantes sur cette période, de janvier 2020 à maintenant. Mais bon, certaines ont été résolues. C'était par exemple des fugues d'adolescentes qui ont été retrouvées saines et sauves, heureusement. Ou alors des accidents. Et dans ce cas, on a retrouvé ces gens décédés, malheureusement. Donc c'est parti pour les faits, mais tout d'abord, je vais vous présenter brièvement l'île de la Réunion. On va partir sur ce petit bout de France, perdu à 9000 km de la métropole dans l'océan Indien. Donc c'est un département de 2500 km² qui équivaut à celui des Yvelines, par comparaison. À la Réunion, la nature est reine. C'est une île volcanique avec des plages splendides et une forêt tropicale préservée. La culture locale est très métissée et très riche à La Réunion. Les habitants y sont réputés ouverts et très sympas. On comprend donc pourquoi cette île est si touristique. La Réunion, elle est souvent présentée à juste titre comme un petit paradis, mais bon, elle a aussi, et comme partout, un côté un peu plus sombre. La Réunion n'échappe pas non plus au phénomène des disparitions inquiétantes. Remontons maintenant à janvier 2020. À l'époque, Norbert Nagama a 54 ans. Il vit à la Salineo, un village à l'ouest de La Réunion. Norbert est un homme qui adore se promener, mais qui souffre d'épilepsie. Le lundi 13 janvier 2020, Norbert quitte son domicile et il ne donnera plus aucune de ses nouvelles à sa famille. Sa mère craint qu'il ait fait une crise et qu'il se soit cogné la tête. Là, les autorités sont prévenues et on va commencer à chercher Norbert. Malheureusement, il est introuvable. Pendant plus d'un an, la famille de Norbert va le rechercher sur l'île, s'affolant à chaque découverte macabre entendue à la radio. Mais à chaque fois, ça ne sera pas Norbert. Plus d'un an après la disparition de Norbert Nagama, on n'a toujours pas retrouvé son corps et sa famille est désemparée. Le dimanche 9 février 2020, un mois après la disparition inquiétante de Norbert, un autre réunionnais va se volatiliser. L'homme se nomme Jean-Fabrice Sinasi Modelli. Il a 45 ans et il vit dans une pension à Sainte-Anne. Jean-Fabrice a des problèmes de santé. Il est diabétique de type 1 et souffre de schizophrénie. Dans ce dossier, tout ce que l'on sait, c'est qu'un témoin aurait aperçu un homme ressemblant à Jean-Fabrice prendre un bus. Jean-Fabrice pourrait donc peut-être se trouver dans l'ouest de l'île, mais rien n'est sûr. La seule chose certaine, c'est que sa famille ne l'a jamais revu depuis. 12 jours plus tard, il va se passer autre chose. Le vendredi 21 février 2020, Antoine Ghislain Guichard, un homme de 66 ans vivant à Saint-Joseph, est lui aussi porté disparu. Sa famille est inquiète car Antoine est atteint de la maladie d'Alzheimer. Même si Antoine aurait été possiblement aperçu le 8 mars 2020 sur la 4 voies de Saint-Paul, le sexagénaire n'a toujours pas été localisé à l'heure actuelle. Le lendemain du drame affectant la famille Ghislain, un autre habitant de La Réunion va disparaître mystérieusement. Le samedi 22 février 2020, Dominique Tétia, un homme de 49 ans qui vit à l'entre-deux, ne rentre pas chez lui. Pire, il ne répond plus au téléphone, ce qui provoque l'inquiétude de sa femme et de sa fille. Selon ses proches, Dominique n'avait pas l'habitude de disparaître comme ça. Si l'on en croit les informations relayées par la presse, M. Tétia n'est toujours pas revenu chez lui. Le jeudi 23 avril 2020, Patrice Farlaïsi-Michel, un ancien militaire diabétique de 45 ans, quitte son domicile de Sainte-Marie. L'homme est observé pour la dernière fois à proximité de l'école de Beaumont, puis on perd sa trace. Depuis ce jour, les proches de Patrice ignorent toujours ce qu'il est devenu. Le mercredi 1er juillet 2020, la police nationale de La Réunion signale la disparition inquiétante d'une autre personne, un homme de 56 ans nommé Dominique Jean-Maurice Dalélé. Demeurant à la montagne, Dominique a été vu pour la dernière fois le 1er juillet 2020 dans le secteur du boulevard de l'Océan à Saint-Denis.
les investigations menées par les services de police n'ont pas permis de le localiser jusqu'à présent. Le mardi 3 août 2020, Marie-Augustin Claude, un habitant de la rivière Saint-Louis âgé de 74 ans, est vu vers 14h30 par des randonneurs sur le sentier Le Zèbre, un chemin qui quitte la commune de l'Entre-Deux et mène au Dimitil, une zone de haut plateau sur l'île de la Réunion. Marie-Augustin Claude disparaît ensuite dans la nature. Atteint d'un début d'Alzheimer, Claude aurait pu se perdre. Sa famille et la gendarmerie de La Réunion ont eu beau mener d'importantes recherches, on n'a pas retrouvé la moindre trace de Claude. Deux jours plus tard, le jeudi 5 août 2020, un randonneur de 63 ans nommé Joël Picot fait une randonnée avec quatre amis sur le sentier Marabout en direction du Piton des Neiges. Vers 9h30, Joël se sent fatigué et s'arrête juste avant le sentier Kerwegen. Ses amis le laissent sur place et continuent vers le Piton des Neiges. C'est la dernière fois qu'on a vu Joël Picot. Toutes les battues organisées par la suite pour le retrouver n'ont rien donné. Le vendredi 4 septembre 2020, un autre réunionnais va se volatiliser. Âgé de 23 ans, Robin Issarambéréfan est un ancien militaire. Depuis son retour à La Réunion en 2019, il réside dans sa famille à Saint-André. Au début, Robin se sent bien. Mais un peu après le confinement lié au Covid, il commence à faire des crises post-traumatiques. Robin se sent en danger et souffre de paranoïa. Le 4 septembre 2020, Robin fait un malaise et ses parents l'amènent à l'hôpital de Saint-Benoît. Mais le jeune homme, qui n'a pas retrouvé son état normal, va s'enfuir. La gendarmerie sollicite l'aide d'une équipe cynophile pour le localiser sur l'île. En vain. Les autorités ne réussiront pas à remonter sa trace et depuis, ses parents se battent pour le retrouver. Deux jours après la disparition de Robin, un autre drame va survenir. Le dimanche 6 septembre 2020 au matin, Marianne, une femme de 45 ans, part de son domicile du Gol à Saint-Louis. Selon ses proches, Marianne présente quelques difficultés mentales et n'a pas la notion des distances. Le lundi après-midi, la quadragénaire aurait été aperçue un peu à l'ouest, puis plus rien. Aujourd'hui encore, on ignore toujours ce qu'il était devenu d'elle. Le lundi 8 novembre 2020, c'est au tour de Claude Rouly, un habitant de Saint-Denis placé sous curatelle renforcée, de disparaître de la surface de la Terre. Une enquête de la police nationale de La Réunion est toujours en cours. Le lundi 16 novembre 2020, Jean-Jacques Foch, un homme placé sous tutelle dans un foyer à Sainte-Anne, arrive à 13h à l'hôpital de l'Est où il doit être hospitalisé. Mais il disparaît de l'établissement hospitalier. Selon toute vraisemblance, Jean-Jacques s'est enfui. La gendarmerie, la famille et ses proches vont tenter de le localiser. En pure perte. Jean-Jacques Foch n'a pas été revu depuis cette date. Le vendredi 8 janvier 2021, Kéline Rivière, un homme de 28 ans décrit comme doux, tranquille et sans histoire, quitte dans l'après-midi la maison de ses parents à Saint-Paul. Kevin n'a plus donné de ses nouvelles depuis. Selon ses proches, Kevin est décrit comme très fragile psychologiquement. Plusieurs battues ont été organisées, mais elles ont été inefficaces. La famille et les amis de Kevin Rivière sont aujourd'hui désespérés. Le mercredi 13 janvier 2021, Jean-Max Oahu, un habitant de 59 ans de la commune de Petite-Île, quitte son domicile aux alentours de 22h. Il est introuvable depuis cette date. Sa famille, très inquiète, a signalé sa disparition à la gendarmerie de Saint-Paul. Mais force est de constater qu'ils ont été impuissants à le retrouver depuis. Voilà, je viens de vous recenser 15 affaires de disparition inquiétantes survenues sur l'île de La Réunion entre janvier 2020 et janvier 2021. Ces 15 affaires n'ont pas été élucidées à l'heure actuelle, si l'on en croit les informations parues dans la presse. Suite à ces faits divers un peu inquiétants pour les familles, on peut le comprendre, il y a un certain nombre de rumeurs qui ont circulé sur l'île, notamment la rumeur d'un trafic d'organes alimenté par les réseaux sociaux. Donc dans cet article que vous pouvez trouver sur internet, on peut lire que depuis des semaines, des familles désespérées se persuadent que leurs proches ont été victimes d'un trafic d'organes sur l'île. Selon la presse, aucun élément ne permet d'étayer cette rumeur, et pourtant la suspicion s'étend partout. Jusqu'au sein des familles des disparus qui n'hésitent pas parfois à mener leur propre enquête pour remonter jusqu'au soi-disant réseau. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans l'article que vous trouvez sur internet. Les gendarmes de La Réunion certifient que rien de suspect n'a jamais été constaté. Donc on va maintenant passer à la partie commentaire-analyse. Je vais vous présenter mon humble avis sur cette affaire. Je vais commencer par dire que avoir un proche qui disparaît, il n'y a sans doute rien de pire qui puisse vous arriver. Dans ces 15 affaires de disparition inquiétante, on n'a pas retrouvé
les personnes disparues. Sans réponse, la plupart des familles de ces personnes sont désespérées, elles ne savent plus quoi penser. Et l'incompréhension mêlée à une certaine angoisse fait qu'elles peuvent finir par s'intéresser, même à croire à certaines rumeurs et à des hypothèses qui relèvent le plus souvent du fantasme. Une rumeur, c'est une information qui se répand au sein de la population. Souvent, elle ne repose sur aucun fait avéré, et pourtant, certains y croient dur comme fer. Alors, il faut rappeler que on ne vit pas dans le monde des bisounours, et les trafics d'organes sont une réalité. Ils existent bel et bien sur la planète. On en a déjà eu des preuves dans le passé. Il faut savoir que les organisations criminelles transnationales diversifient leurs activités. En gros, tout ce qui rapporte de l'argent. Extorsion, racket, trafic de drogue, trafic d'armes, contrefaçon, traite d'êtres humains et aussi trafic d'organes. Donc c'est un fait, les trafics d'organes existent. Mais bon, il faut faire attention quand même parce que les rumeurs peuvent avoir des conséquences très graves. À titre d'exemple, deux Français ont été lynchés par la foule en colère en octobre 2013 à Madagascar, une île qui est justement très proche de celle de La Réunion. Et ces deux personnes ont été lynchées, massacrées suite à une rumeur de trafic d'organes. L'enquête a révélé par la suite que les deux victimes étaient a priori totalement innocentes. Elles avaient rien à se reprocher. Donc le trafic d'organes, c'est une activité criminelle lucrative qui existe bel et bien. Faut pas se voiler la face, mais bon, je doute fortement qu'elle soit la cause des 15 disparitions inquiétantes que j'ai recensées précédemment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, les autorités locales, les gendarmes n'ont noté aucun indice allant dans ce sens. Et quand on examine les faits à froid avec un peu de distance, on se rend compte qu'on peut trouver des explications rationnelles à cette vague de disparitions inquiétantes. Quand on étudie le profil des 15 personnes disparues, on s'aperçoit que la majorité d'entre elles avaient des problèmes de santé. Deux étaient diabétiques et deux souffraient d'épilepsie. Ces 4 personnes ont donc pu avoir un souci médical. Elles ont pu faire un malaise par exemple et avoir un accident fatal. Deux autres personnes disparues souffraient de la maladie d'Alzheimer. C'est triste à dire, mais les malades d'Alzheimer font plus souvent l'objet de disparitions inquiétantes que les autres. Une étude a montré qu'en 2011, 15% des disparitions inquiétantes concernaient des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces malades ont tendance à déambuler, c'est-à-dire à marcher sans but sur de longues distances. Ces personnes errent et finissent par se perdre. Et ça, c'est vrai partout, à La Réunion comme en France. Et malheureusement, il n'est pas rare qu'on retrouve ces hommes et ces femmes trop tard. Continuons. Sur les 15 personnes disparues, 2 étaient sous tutelle ou sous curatelle. Elles faisaient donc l'objet d'une protection particulière en raison d'une capacité d'autonomie réduite. On peut donc considérer que ces deux personnes étaient plus vulnérables que la moyenne. Et ça n'est pas terminé. Sur les 15 personnes disparues, 4 autres avaient des problèmes mentaux ou étaient fragiles psychologiquement. Enfin, 2 se sont enfuis volontairement d'un hôpital avant de disparaître. Au vu de ces éléments objectifs, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un réseau de trafic d'organes pour expliquer la disparition de ces personnes. Je pense que la plupart d'entre elles ont eu soit un accident fatal après avoir fait un malaise, crise d'épilepsie, perte de connaissance liée à un diabète, soit elles se sont perdues dans la nature, je pense aux malades d'Alzheimer, soit elles se sont suicidées aussi. Il ne faut pas écarter non plus la possibilité de suicide parce qu'une proportion de ces personnes était déjà dans un état de fragilité psychologique. Et on sait que l'état mental d'une partie de la population s'est dégradé lors des confinements liés au Covid. L'hypothèse d'une fuite volontaire peut être aussi envisagée dans quelques rares cas, mais bon, là je suis beaucoup plus sceptique parce que ces personnes étaient fragiles. Rien ne nous dit qu'elles avaient envie de partir. Parce que une vie routinière, ça a un côté rassurant. Changer de vie, partir dans l'inconnu, c'est plus angoissant. Et changer de vie, ça nécessite des ressources financières, morales, mentales, que n'avaient pas apparemment ces personnes. Et je dis ça sans jugement de valeur, avec beaucoup de compassion vis-à-vis de ces personnes. Parce que vous savez, moi-même, je ne sais pas si j'aurais la capacité de partir, de disparaître sans laisser de traces comme ça, de recommencer à zéro, loin. Parce que c'est très compliqué, encore une fois, c'est compliqué. Ça nécessite de l'organisation, ça nécessite beaucoup de ressources. Et voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Et là, en plus, à La Réunion, on est sur une île. Donc ça limite encore les déplacements pour s'enfuir. On est obligé de prendre soit l'avion, soit le bateau. En résumé,
c'est triste à dire, mais j'ai quand même tendance à croire que la majorité de ces personnes disparues sont aujourd'hui décédées, qu'elles ont connu un destin tragique sur l'île de la Réunion. Elles ont très certainement eu, dans leur majorité, des accidents ou des problèmes médicaux qui ont été fatales dans la plupart des cas. On peut pas écarter non plus l'hypothèse d'actes criminels, peut-être isolés pour une ou plusieurs de ces personnes. Elles ont peut-être pu faire des mauvaises rencontres. Je doute fort de l'implication d'un réseau de trafic d'organes dans ces disparitions parce que les gendarmes n'ont rien remarqué de suspect quand même pour ces 15 affaires. Donc s'il y avait un réseau, ça voudrait dire qu'ils n'ont commis aucune erreur à chaque fois. Aucun témoin, aucun indice laissé sur place, aucune activité criminelle n'est efficace à 100%. Je veux dire, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait jamais eu d'erreur commise, qu'il n'ait jamais été repéré vraiment. En plus, détail très intéressant, toutes ces personnes ont été vues en train de partir volontairement de chez elles, de leur plein gré. Elles n'ont donc jamais été enlevées chez elles. Et puis, elles ont toujours été vues seules aussi, sur les chemins. On ne les a jamais vues en compagnie d'autres personnes avant qu'elles ne disparaissent. J'imagine difficilement les membres d'un réseau de trafic d'organes en train de rôder dans l'île pour récupérer ces personnes. Les 15 personnes disparues auraient été des personnes jeunes, en pleine santé. Là, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Mais bon, force est de constater que les personnes concernées avaient toutes des profils à risque, entre guillemets. C'est vrai qu'elles avaient quand même des antécédents médicaux. Hein. Donc, encore une fois, ça m'incite à penser que dans la majorité des cas, aucune autre tierce personne n'a participé à leur disparition. Elles étaient seules au moment des faits. Là, il y en a qui vont dire « On est d'accord avec toi, Lionel, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé les corps ?» Et vous aurez raison. C'est vrai que tous ces corps introuvables s'interrogent quand même. Mais déjà, il faut rappeler une chose. On ne sait pas toujours forcément où ces personnes ont disparu avec précision. Et si vous ne cherchez pas au bon endroit, vous ne risquez pas de trouver ce que vous cherchez. Attention, je ne suis pas en train de critiquer le travail des sauveteurs. Mais c'est juste pour vous rappeler un petit peu la complexité des opérations de recherche comme celle de sauvetage. En ce qui concerne les corps introuvables, je pense que l'explication réside dans la géographie de l'île. À La Réunion, la nature est très sauvage, le relief est très accidenté, le terrain escarpé, la végétation luxuriante. Dès que vous sortez des zones d'habitation, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez disparaître sans laisser de traces. Il faut rappeler que La Réunion, c'est une île volcanique. Et quand on se promène dans les îles volcaniques, il faut être deux fois plus prudent qu'ailleurs. Dans mes recherches, j'ai remarqué que à Hawaï, par exemple, donc cet archipel américain dans le Pacifique, il y a pas mal de disparitions mystérieuses aussi, de randonneurs comme ça, qui disparaissent sans laisser de traces. Et c'est possiblement lié à la roche volcanique, le basalte, qui est une roche qui est plus fragile et glissante que la normale. Il y a beaucoup de randonneurs là-bas qui glissent, qui tombent, ils font des chutes mortelles et ils tombent dans des ravins, dans des lieux qui sont très difficiles d'accès, qui sont masqués par le feuillage, par la végétation, parce qu'on est vraiment dans une végétation de type tropical là-bas. Vous pouvez vraiment passer à côté d'un corps sans le voir. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas les corps. Les chiens policiers qui sont amenés sur place aussi ont sans doute du mal à retrouver la piste olfactive des personnes disparues à cause des odeurs parasites. Dans la forêt tropicale, il y a beaucoup d'odeurs parasites, des odeurs de putréfaction comme ça qui doivent sans doute perturber l'odorat des chiens. À mon avis, vu le fort taux d'humidité à La Réunion, les corps comme ça dans la nature doivent se dégrader assez vite. Et il n'est pas impossible non plus qu'il y ait des animaux sauvages, des cochons sauvages, des sangliers, qui viennent dévorer les restes, s'il faut dire les choses. Autre possibilité, bon bah je spécule, hein, mais bon j'avance des théories, hein, on est face à un mystère. Il est possible que plusieurs de ces personnes disparues soient décédées sur des propriétés privées. Et peut-être que les propriétaires privés n'ont pas trouvé les corps, s'ils ont des grands terrains, ou peut-être qu'ils les ont trouvés, mais qu'ils n'ont pas voulu signaler ces corps aux autorités pour des raisons qui leur appartiennent. Une ou plusieurs de ces personnes disparues ont pu divaguer, errer et
terminer sur un terrain sur lequel il y avait une culture illégale, une culture de cannabis par exemple. Le Zamal, comme on appelle ça à La Réunion. C'est une hypothèse théorique, mais bon, c'est pas impossible, c'est pas impossible. C'est peut-être plus crédible que l'hypothèse d'un réseau de trafic d'organes. Voilà, encore une fois, je doute beaucoup de cette hypothèse. Bon, l'absence de preuves. Attention, s'il y a des preuves, voilà, je serai le premier à étudier la question avec sérieux. Mais bon, là, il n'y a vraiment aucun élément sur lequel s'appuyer. En tout cas, réseau de trafic d'organes ou pas, mon avis pour les familles, ça change pas grand-chose. Ça reste terrible pour elles. Ça reste terrible de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir ce que sont devenus leurs proches. De leur côté, les gendarmes, La Réunion, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ils recherchent ces personnes, mais bon, il faut savoir que les meilleures polices du monde échouent à retrouver des personnes disparues. J'en sais quelque chose. Moi qui étudie toutes ces affaires depuis 2016, je peux vous dire que parfois ça n'a rien à voir avec les qualités des forces de police. Hein. Par moments, dans certaines affaires, on ne parvient pas à retrouver les personnes portées disparues. Et il se trouve qu'en plus, la gendarmerie de La Réunion, elle a elle-même été confrontée il y a quelques années à une disparition mystérieuse. Un gendarme nommé Mathieu Kézergue. Petite précision importante, dans le passé, j'ai l'occasion de dire que je ne ferai pas de vidéo spéciale sur la disparition de Mathieu Kézergue, parce que c'est un dossier que je considère très complexe et très sensible aussi, voilà, je vous dis franchement les choses. Mais bon, je ne pouvais pas ne pas le mentionner dans cette vidéo sur les disparitions inquiétantes survenues à La Réunion. Voilà, il faut savoir être juste, il faut faire les choses correctement. Donc voilà, je vais maintenant vous présenter brièvement l'affaire de la disparition de Mathieu Kézergue. Ça s'est passé en juin 2017. À l'époque, Mathieu Kézergue est un jeune homme de 24 ans originaire de Montpellier. Gendarme mobile dans le Cher, Mathieu est en mission pour 3 mois sur l'île de La Réunion. Le vendredi 23 juin 2017, Mathieu, qui est de repos, part faire une randonnée dans le cirque de Mafat avec deux autres personnes, un gendarme et le mari d'une gendarme. Le cirque de Mafat se situe dans le massif du Maïdo, l'une des zones les plus sauvages et isolées de l'île. Mathieu Kézergue ne reviendra jamais de cette randonnée. Par la suite, la gendarmerie de La Réunion a déployé d'importants moyens sur le terrain pour retrouver le jeune militaire, notamment des chiens, des hélicoptères et des drones. Mais ces recherches n'ont jamais rien donné. Ce qui a surpris les enquêteurs, c'est qu'aucun indice et aucun objet lui appartenant, comme son téléphone portable, n'a été retrouvé sur les lieux. La piste accidentelle est celle privilégiée depuis le début par les gendarmes, mais pour la famille Kézergue, d'autres hypothèses doivent être envisagées. La disparition volontaire et aussi un possible acte criminel. Pour Delphine Kézergue, la maman, la piste criminelle doit être étudiée parce que peu de temps avant sa disparition, Mathieu avait envoyé une photo à ses parents, à ses frères et à sa petite amie à Montpellier. Et selon eux, Mathieu avait le regard vague et une bosse et une plaie sur le front. De plus, si l'on en croit les informations parues dans la presse, les deux hommes qui accompagnaient Mathieu auraient tardé à prévenir le secours. Ils ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Le dossier est en cours d'instruction. Tout ce que demandent les parents de Mathieu, c'est de savoir ce qu'il s'est passé et que justice soit rendue. Mais il semble jouer de malchance, car en novembre 2020, une partie du sentier sur lequel Mathieu randonnait lors de sa disparition a été ravagée par un incendie. On craint que d'éventuelles preuves ou même le corps de Mathieu aient été détruits. À qui profite le crime ? A écrit Delphine Kézergue sur la page Facebook consacrée à Mathieu. Retrouvons Matt. Voilà, je viens de rappeler succinctement les faits concernant la disparition de Mathieu Kézergue. Là, c'est une affaire qui est très complexe, très sensible aussi. Je pense que vous avez compris pourquoi. Et d'ailleurs, je vous remercie de ne pas porter d'accusation dans les commentaires. Voilà, parce qu'on n'est pas des procureurs. Et puis moi, voilà, je n'autorise pas les gens à diffamer les autres comme ça, de manière gratuite, dans mes vidéos. Et je serai obligé de supprimer ces commentaires aussi, parce que voilà, il peut y avoir aussi des conséquences juridiques. Hein. On peut pas diffamer les gens comme ça, gratuitement, sur Internet, sous couvert d'anonymat. Donc je serai obligé de les supprimer. Voilà, c'est ce que je fais aussi d'ailleurs dans les autres vidéos. Je n'ai pas le choix, malheureusement. Moi, je pense que dans cette affaire, il faut laisser la justice faire son travail. Il faut avoir confiance en la justice. Aussi, je souhaite vraiment bon courage à la famille de Mathieu Kézergue, qui se bat depuis des années aussi pour que
la vérité éclate, que justice soit faite, qu'on sache ce qui est arrivé à Mathieu. Je souhaite aussi bon courage à toutes les autres familles qui sont concernées par des disparitions inquiétantes à La Réunion, surtout celles qui sont arrivées ces derniers mois, mais il y en a des plus anciennes aussi, et bon, je ne les oublie pas non plus, mais bon, je ne pouvais pas faire une émission de 2 heures, je ne pouvais pas faire une émission exhaustive, c'est très compliqué, surtout qu'on n'a pas forcément toujours toutes les informations en notre possession. Moi j'ai travaillé sur des articles de presse, voilà, mais bon, on sait que certaines affaires ne sont pas couvertes aussi, hein. Donc voilà, donc j'espère vraiment que toutes ces personnes auront les réponses qu'elles attendent depuis des mois. C'est la fin de cette vidéo qui se veut rassurante quand même, hein, vous l'avez compris je pense. Et d'ailleurs j'ai étudié les chiffres et j'ai découvert une info intéressante. Selon les autorités, il y a 300 disparitions chaque année à La Réunion. Dans la majorité des cas, on retrouve les personnes saines et sauves, heureusement. En France, métropolitaine, 40 000 disparitions. Là encore, les trois quarts sont retrouvés en bonne santé. Quand on rapporte ces chiffres à la population de la France métropolitaine et puis de La Réunion, on se rend compte que en France, les disparitions, les 40 000 disparitions correspondent à 0,06% de la population, une population de 66 900 000 habitants. 0,06%. Quand on fait le même calcul pour La Réunion, qui a une population de 855 900 habitants, on se rend compte que ces 300 disparitions correspondent à 0,03% de la population. En conclusion, il y a donc deux fois moins de disparitions inquiétantes à La Réunion qu'en France métropolitaine. Je pense pas avoir fait erreur, mais bon, il y a des petits malins qui vont faire les calculs quand même. Je vous connais, hein, je vous connais par cœur. Les chiffres montrent qu'il y a deux fois moins de disparitions inquiétantes à La Réunion qu'en France métropolitaine, quand on regarde les proportions par rapport à la population. Mais à La Réunion, quand l'issue est fatale, les corps sont plus durs à retrouver. Ça c'est certain. C'est plus dur de retrouver un corps dans une zone de montagne couvert d'une forêt tropicale que dans une zone de plaine, par exemple. Voilà. Voici venu le moment de nous quitter. C'est la fin de cette vidéo. Avant de vous laisser, je vous encourage à aller visiter La Réunion. Vous passerez sans doute là-bas un séjour inoubliable. Mais bon, il faut quand même qu'on nous autorise déjà à voyager. Avec le Covid, c'est toujours un peu compliqué pour l'instant. Espérons que ça va rentrer dans la normale assez vite maintenant. J'en profite aussi pour saluer donc les habitants de La Réunion, ainsi que tous les autres habitants des Dom-Tom, tous ces petits coins de France perdus un peu partout dans le monde. Je pense voilà à la Guadeloupe, aux Antilles françaises, la Martinique, la Guyane française, et puis aussi la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Voilà. Salutations à vous. Ça fait toujours rêver, des fois, quand je reçois des commentaires de personnes qui vivent là-bas, surtout en ce moment, avec cette période de couvre-feu. Voilà, donc portez-vous bien, tout le monde, et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, et puis aussi à vous abonner à la chaîne, si ça n'est pas encore le cas, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien, pour votre fidélité, et je vous dis à bientôt. En attendant, faites gaffe à vous, et ne disparaissez pas.